Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un outil de maintien. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder sa réalisation rapidement en musique. On se retrouve à la fin de la vidéo pour les explications et la démonstration. Bonne vidéo et à tout de suite. Bon alors, voilà notre petit outil une fois sec et entièrement fini. Donc c'est un outil de serrage qui sert essentiellement aux panneaux, quand vous avez besoin de travailler sur un grand panneau à la verticale, ou alors quand vous voulez travailler le plus souvent c'est sur les portes, sur le champ d'une porte par exemple, pour y incruster le mécanisme de la poignée, ou tout autre porte de placard, grand panneau ou grand plateau. Si vous devez retirer l'écorce, vous pouvez le mettre aussi à la verticale, avoir besoin de le mettre à la verticale, et avec ça, ça peut vraiment vous aider. Ça coûte vraiment pas cher à réaliser, donc j'ai utilisé de la cornière de 20 par 20 en 2 mm d'épaisseur pour la partie basse, et de la cornière de 35 par 35 pour la partie haute, plus deux petits serre-joints à 2,50 € chacun. Donc franchement, ça ne revient vraiment pas cher, plus la peinture pour la finition. C'est pour quelques euros, vous fabriquez ce support là Pour la démonstration, et parce que je suis complètement cassé, j'ai pris une petite porte, une vieille porte de placard.
qui était sous l'eau quand elle a été inondée, c'est pour ça qu'elle n'est pas jolie, de toute façon on s'en fiche, c'est pour la démonstration. À la fin j'ai rajouté donc ce joint, c'est un reste de compris-bande pour les fenêtres. Je trouve que c'est super parce que ça reprend vraiment bien sa place. Donc voilà comment on peut l'utiliser. On peut y mettre une petite cale à l'extrémité de notre porte. Ça, on peut le mettre à la hauteur que l'on souhaite, parce qu'on n'est pas obligé de le mettre à ras le sol. C'est même mieux de ne pas toucher le sol d'ailleurs. Je suis un peu fatigué. Voilà. Là, vous avez quelque chose de parfaitement stable. Et vous pouvez travailler avec la défonceuse sur le champ si vous avez besoin de réaliser, donc, comme je disais, l'incrustation d'un mécanisme de poignée. Si vous devez faire la rainure tout le long pour réaliser l'incrustation de la ferrure de la porte. Si vous voulez mettre des charnières, enfin, vous pouvez vraiment tout faire avec ça. Dès que vous avez besoin d'un maintien vertical, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, c'est une petite réalisation sans prétention. En plus, ça m'a permis de refaire un peu de soudure et j'aime la soudure. J'en inclurai peut-être dans certaines réalisations plus tard. Sur ce modèle-là, vous avez une distance de serrage maxi de 40 mm. Sachant que le joint s'écrase quasiment à zéro. Voilà, les 40 mm, je les ai avec 2-3 mm de marge. Sachant que s'il vous faut plus, c'est simple, vous prenez des serre-joints plus grands, tout simplement. Après, vous le dimensionnez à la taille que vous voulez. Vous pouvez en faire plusieurs pour en mettre un à chaque extrémité et avoir un panneau qui tienne bien droit à la verticale sans toucher le sol. Enfin voilà, il y a plein de multitudes après. Je vous présente simplement sa réalisation. Après, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, si vous avez aimé, n'hésitez pas surtout à commenter. Alors, ça fait vraiment plaisir. Le partage encore plus. Et le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu, c'est magnifique. Ça me fait et moi plaisir. Et ça fait remonter les statistiques de la chaîne dans YouTube. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !